Salut, salut tout le monde! Alors aujourd'hui, on se retrouve du coup pour enfin les pré-releases. Voilà, et en même temps, bah, du coup, je suis dans la chambre d'amis, donc dans ma pièce de collection Pokémon, parce que mon chéri est à la maison, donc du coup, je peux faire ma vidéo là où je la fais d'habitude. Du coup, en même temps, je vais vous ouvrir du coup mon calendrier de l'Avent, voilà, avec vous. Alors, je ne l'ai pas ouvert vu que. Pour l'instant, voilà, je n'ai pas ouvert du tout avec l'histoire des chiots. Donc du coup, ben, je vais vous ouvrir du coup les 5 premiers avec vous. Voilà, comme ça je découvre en même temps que vous. Allez, je mets l'intro et on se dit à tout de suite. Re tout le monde, alors voilà, ça y est, on va commencer. Donc du coup, on commence par le calendrier de l'Avent. Au pire, ce qu'on peut faire, je vais faire comme ça. Je vais en ouvrir 2 et 3 à la fin. Et entre-temps, je vais ouvrir le pré-release. Comme ça, voilà, ça dispatche un peu. Allez, du coup. Donc, j'avais déjà enlevé la petite étiquette. Alors, ce qui est pas mal, c'est que c'est d'une certaine façon. En fait, il faut que vous cherchiez à chaque fois. Je vous montre sur la vidéo. Parce que à terre, ça va être plus chiant. Faut que vous cherchiez en fait à chaque fois, voilà, le chiffre. Alors, du coup, on va prendre le 1. Donc, le 1, le 4, le 3, le 2, si j'arrive, c'est assez chiant à enlever. 2, 4, 3, 2, le 5. Je regarde juste un truc en même temps. Du coup, j'ai mal compté. Et le 6. Voilà. J'ai juste coupé la vidéo 2 secondes pour regarder. C'est juste qu'il me semblait qu'on était déjà le jour de la Saint-Nicolas. Voilà. Alors, du coup, hop, je range ça. Et du coup, bah, mercredi, bah, j'ouvrirai. Lundi, mardi, mercredi avec vous. Je sais que normalement ça se fait tous les jours, mais voilà, je préfère en même temps partager. Je vais pas faire une vidéo de tous les jours de 2 secondes, hein. Franchement, ça sert à rien. Donc, du coup, on va ouvrir 1, 2, 3, et à la fin, on ouvrira 1, 2, 3. Voilà. Alors, du coup, je sais pas comment je pourrais les ouvrir pour essayer de garder les petits trucs là. Ça a l'air marrant. Voilà. C'est un peu mieux, mais c'est pas le top. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, d'accord. Ok. Donc oui, j'ai oublié. J'ai ouvert le 2 d'abord. Bon, allez, tant pis. Je l'ouvre comme ça. Ah, en premier, on a Pikachu. Voilà. On a le petit Pikachu en premier. Hop. Voilà, il nous montre le montage. Il nous montre le montage. Bon, du coup, ouais, en fait, j'aurais dû faire juste une vidéo peut-être là-dessus. Bon, allez, vite fait, la vidéo durera un tout petit peu plus longtemps. Je le monte en direct. Alors, il me faut ça. La tête à Pika. La tête à Pika, un rond et entre. C'est quoi? C'est ça? Ouais, c'est ça avec les oreilles. Ok. Donc voilà. Mes petites oreilles. Petites oreilles de Pika. Et derrière. Voilà, donc là, la petite tête de Pikachu, il tire la langue en plus. Il tire la langue, le sale gosse. Ensuite, donc ça c'est les jambes. Alors, ça c'est pour la tête. Ok. Donc, alors il me faut ça. Comme ça. Ça, il me faut les pieds. Voilà, chercher les pieds.
Bon, je pense qu'ils vont pas tous mettre longtemps à faire, hein, parce que là, quand je vois le 2, hein, c'est juste un tout petit truc, donc je pense pas que ça va mettre super longtemps à faire les autres. Voilà. Donc ça, c'est ses petits pieds. Ensuite, donc faut mettre sa petite tête. Voilà. Et ensuite, ses petits bras. Ses petits bras. Ses petits bras. Ensuite. Donc 3, 2, 1, ouais, ok. En 4, faut mettre sa petite queue. Et voilà. Et voilà. On a un petit Pikachu. Bon, c'est voilà, hein, c'est un genre de Lego, hein, donc c'est pas le truc de fou, hein, non plus, hein, c'est juste voilà, je trouvais ça marrant pour cette année. Donc en un, on a eu ça en deux, donc on a le petit bâton qui tient dans la main. Voilà. Hop. Voilà. Donc ça, c'est le 2, on a ouvert. Et en 3, du coup, en 3, c'est quoi? Là, c'est la Pokéball pour mettre sur le sapin. Ok. D'accord. La petite Pokéball. La petite Pokéball. Voilà. Comme ça, on dirait une caméra. On dirait une caméra. Bon, bah voilà. Alors, du coup, on a eu Pikachu et une petite Pokéball pour le moment. Et là, on va commencer donc avec les pré-releases. Alors, les pré-releases, je vous préviens déjà, je n'ai rien ouvert de spécial. J'ai juste décelé avant pour voir en fait quelle promo je vais avoir. C'est tout. Mais à savoir que, bah, pas quelle promo je vais avoir là, ça je sais pas. Dans le sens où j'ai tout réapparpillé, mais c'était juste pour voir si j'avais plusieurs Dracaufeu ou quoi. En fait, voilà. Et du coup, j'en ai plusieurs, donc je suis content. Allez, du coup, donc on commence, voilà. Donc, comme je vous ai dit, il est juste décelé pour voir la promo. Et après, là, je ne sais pas c'est quoi. Donc comme d'habitude, donc vous avez le petit papier, voilà, qui vous... Donc qui vous... comment dire, bah qui vous sert d'avant-première, hein, mais que j'ai un mois après, hein, donc voilà. Ensuite, donc vous avez le pack promo, donc ça c'est la promo avec du coup le deck pour vous faire, voilà, parce que c'est vraiment en ligue normalement que vous avez ça. Tout le monde se battait pour en trouver machin et tout, et à cause de Dracaufeu, ça a monté dans des prix astronomiques. Alors que réellement c'est en ligue normalement quoi. Donc d'habitude c'est que les joueurs qui l'ont et non les personnes qui collectionnent. Ou alors il faut qu'ils trouvent et tout, mais normalement c'est réservé aux joueurs. Donc voilà. Du coup il y a 4 boosters avec. On va commencer à ouvrir donc Dunphan. Voilà. Donc il faut juste mes slips. Voilà, parce que j'ai mes sous-slips direct. Donc, on a Dunphan qui est du coup la promo SWSH065. Voilà, la petite Dunphan, pardon, voltage éclatant. Et donc, avec ça, vous devez faire, comme je vous ai déjà expliqué, votre deck. Donc, vous avez Rapid Ball, on a Guido, on a Alistair, on a Donna, Embrochet, Embrochet. Embrochet, Nigosier, Feyza, Sally, on a Guido, Capoeira, Axolotl, Marest, Fampi, Dunphan, voilà, en normal. Je ne sais plus si elle est holo et le petit code. Voilà. Je l'aurais utilisé avant. Hein, parce que, voilà. Donc voilà, j'ai le nez qui me gratte, excusez-moi, hein, j'ai le nez qui me chatouille. Donc ça c'est donc du coup pour le deck, bah, le pré-deck que vous devez faire avec vos 4 boosters que vous avez
dans le kit de pré-release. Alors du coup, on commence avec Celebi. Vont-ils être cheatés ou pas? Je n'en sais rien, parce qu'il y en a, ils les ont cheatés, il y en a, ils ne sont pas. On ne sait pas. Voilà, on ne sait pas du tout. Du coup, 4, 2, 1. Allez, du coup, on commence avec une énergie eau. On a Limagma, on a Zébibron, Eoko, Miaouz de Galar, Crémy, Métang, Sally. On a Mateloutre, en reverse on a Miaouz de Galar. Et derrière on a Sally en rainbow. Voilà, une petite rainbow. Ça commence bien pour l'ouverture de ces fameux pré-releases. Voilà, une rainbow. Là, ma toute première rainbow d'ailleurs, pour l'instant, de voltage éclatant. Hein. Donc voilà, hein, parce que j'ai pas eu grand chose hein, pour le moment. Hein. D'ailleurs, le display était, voilà, comme vous l'avez vu, hein, pas foufou. Hein. Allez, Astronel. Donc voilà, ma première rainbow, je suis content. Enfin une. Alors. 4, 2, 1. Allez, c'est parti avec une énergie acier. Un joli Salamèche, Mediena, Thiboudé, Pomme de Pique, Dinavolt, Médaille du Héros, Énergie Arôme, Mateloutre. On a Nigosier en reverse et derrière on a un joli petit Dracaufeu normal. Voilà, donc comme quoi vous voyez que tous les boosters de pré-release ne sont pas cheatés. Voilà. Allez, du coup, on a Pikachu. Allez, c'est parti avec une énergie chauve-sourire, pardon, Poulpaf, Anchouat, Miamiasm, Chuchmur, Capsule Mémoire, Pifeuille, Karatroc. On a Cap Endurance en gold et on a Broabam en normal. Donc Cap Endurance, je l'ai déjà, donc bah, elle sera à l'avant toi l'échange. Hein. Voilà, je l'avais eu dans mon ETB de Pikachu, hein, bien sûr, de voltage éclatant. Hein. Donc voilà. Donc avec un petit Broabam. Et on termine avec Zarude, du coup. Et après, on a le numéro 456 de mon calendrier de l'Avent à ouvrir. Il ne veut pas passer décelé. Allez, du coup, 4, 2, 1. Il y a des changements de couleur, ça promet peut-être. Quand il y a une différence de taille aussi, je viens de voir. Alors, une énergie feu, on a Whelmer, on a Mélofée, Rototaupe, Aspico, Voltorb, Nigosier, on a Alistair, Girafaring, derrière Ixon de Galar en gold, et derrière on a Elexprint en normal. Donc voilà, Ixon, je l'ai déjà. Il m'en manque deux, du coup, hein, de gold que j'ai eu donc tout dans le TB. Et voilà, j'aimerais bien avoir celle qui me manque, du coup. Bon, après, c'est pas grave. Là, je m'en fous, ça me fait un peu de choses pour échanger. Alors, du coup, on va partir sur le 4, hein, bien sûr, parce que je vois qu'il faut faire bien dans l'ordre. Donc, 4. Alors, ok, c'est un petit cadeau. D'accord. Je regarde bien si j'ai tout pris. Alors. Ok. Bon, là, j'ai même pas besoin de le faire... Voilà. J'ai même pas besoin de regarder la notice. J'ai déjà compris comment fallait le faire. Voilà, celui-là, il va là. Parce que ça, c'est le truc du cadeau. Ça, ça va là. Et voilà. Donc là, on a fait le petit cadeau. Hop. Ensuite, donc, on fait le 5. Voilà. Ah, bah c'est le petit bonnet de Noël, du coup, pour Pikachu. Voilà. Alors, il tient ou il tient pas? Ah oui, ok. C'est plus avec ses oreilles qui tient, en fait. Alors, je regarde, mais... Ah oui, d'accord. Ouais, ça tient sans vraiment tenir, en fait. Ouais, ça... Ça tient à moyen, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, le petit chapeau. Et en 6, on va avoir quoi?
Ça a l'air un peu plus gros. Ouais, ça a l'air plus gros. Alors. Bon, bah, ça pareil. J'ai déjà compris comment ça fonctionnait. J'ai même pas besoin de regarder les plans. Ouais, c'est comme chez Ikea. Hein, moi, en général, bon, de base, en même temps, c'est mon métier. Hein, donc, je n'ai pas trop besoin de ça. J'ai pas trop besoin des plans. À part pour certains trucs, mais en général, non. Ça, ça. Et ensuite, on fait comme ça. Ils sont bien marrants à enfoncer quand même. Ces petits fauteuils du Père Noël, moi je dis. Ces petits fauteuils du Père Noël. Hop. Voilà, et voilà. Voilà, le petit fauteuil. Donc du coup, on a eu le petit fauteuil, on a eu Pikachu, une petite Pokéball pour mettre sur le sapin et un petit cadeau de Noël. Voilà. Avec du coup le pré-release, on a eu Dunfan. Voilà, la SWSH067. Voilà, jolie petite carte. Voilà, du coup, donc on se retrouve mercredi. Donc pareil, on va continuer à ouvrir mon petit calendrier de l'Avent au fur et à mesure. Hein. Donc dimanche prochain, du coup, vous en aurez juste un. Hein. Voilà, vous aurez juste dimanche. Samedi, on ouvrira jeudi, vendredi, samedi. Voilà. Comme ça, ça fait durer aussi la vidéo un peu plus, etc. Voilà, c'est, je trouvais ça marrant d'ouvrir en même temps avec vous, de découvrir le... De découvrir quoi en fait. Bon, c'est sûr qu'un petit peu en retard parce qu'il y en a qui l'auront peut-être déjà ouvert. Donc du coup, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de mettre un petit commentaire si ça vous a plu, hein, d'ouvrir en même temps mon petit calendrier de l'avant et tout. Ce que vous en pensez aussi de mon petit... ma petite boîte de pré-release. Hein, donc voilà. Et puis du coup, on se dit à mercredi. Allez, sur ce, je vous laisse les amis. Allez, ciao, ciao.